fois avec lui. J'étais honoré d'avoir travaillé avec lui et sera toujours mon coach. J'aurais aimé continuer à travailler avec lui et même si je suis déçu, mais après c'est un choix personnel, donc comme ça. Hein. On sait que voilà, Yassine, on sait qu'il a été beaucoup derrière, disons, ta venue en sélection, parce que c'est avec lui que tu as discuté. Peut-être que tu as évoqué, disons, l'aspect technique pour les mois à venir. Est-ce que ça chamboule pas trop, tes plans, si on peut le dire, si on peut dire comme ça? Non, c'est clair que c'est avec lui que j'avais parlé. On s'était projeté sur le futur. Maintenant, le sélectionneur, Inch'Allah, ça se passera bien. Ça change un peu, mais j'ai quand même fier d'avoir choisi d'Algérie. Et même avec un nouveau entraîneur, il va falloir retrouver et regagner sa place. Justement, on avait eu les joueurs qui étaient assez solidaires avec le coach, notamment lors du premier match. Est-ce que son départ peut, disons, affecter le moral du groupe, selon toi? Non, je pense pas. Je pense qu'on a un groupe assez mature. Même si le coach vient juste de partir, il y a eu beaucoup de bruit de couloir depuis un bout de temps. Donc, on s'y attendait un petit peu, plus ou moins. Donc, maintenant, je pense pas que ça va affecter le groupe. Comme je disais, on est mature et on a très bien bossé avec ce coach-là. Il nous a apporté beaucoup de choses. Maintenant, on va continuer sur la lancée, Inch'Allah. Yacine, tu es content de ta première expérience avec la sélection? Ouais, je suis content. Même si on n'a pas réussi deux matchs dans des conditions très difficiles, j'ai été très bien accueilli pour une première expérience. Ça a été magnifique et j'espère être appelé souvent et pouvoir continuer à me fondre dans ce groupe. Slimani sera absent lors du prochain match face aux Seychelles puisqu'il est suspendu. Tout le monde te voit déjà titulaire pour ce match. Est-ce que c'est pas une pression, disons, qui commence dès maintenant? Non, non, il n'y a pas de pression. Maintenant, je suis rentré en club. J'ai essayé d'être performant en club. Donc, chaque chose en son temps. Si, Inch'Allah, j'ai du plaisir de le faire, je donnerai tout comme j'essaie de le faire à chaque moment. Et si j'ai la chance d'être titulaire, je donnerai tout pour essayer d'être le meilleur possible pour l'équipe nationale. Rassure-nous, juste hier, t'as pas joué. Avant de dire, il y a pas de blessure, il y a pas de un truc du genre. Non, non, il n'y a aucune blessure. Je suis revenu de sélection à 100% avec encore plus d'envie. Après, maintenant, c'est les choix de coach. Je suis obligé de faire avec et d'attendre et de patienter et de travailler, Inch'Allah.